News. Salut à tous et bienvenue sur rockstarmag.fr pour Weasel News, votre nouvelle série qui arrivera chaque semaine en fonction de l'actualité. En effet, le but de cette série est de vous faire une petite vidéo sous forme de podcast pour parler d'une information officielle, d'une grosse rumeur ou d'un gros événement autour de l'actualité des jeux et des studios Rockstar. Vous aurez ensuite le lien de l'article qui renverra directement sur notre site qui donnera d'autres détails. Pour ce premier épisode de Weasel News, nous allons parler de Rockstar India, qui est le plus jeune studio de la ferme étoilée. Ce studio, qui était un ancien studio français qui appartenait à la filiale Technicolor, est devenu une propriété de Rockstar en mars 2016 avant d'être renommé et rejoindre officiellement la grande famille en août 2016. Jusqu'à maintenant, ce studio basé à Bangalore en Inde s'occupait d'aider les studios Rockstar à développer des titres comme Elle est Noire, Max Payne 3, Red Dead Redemption et GTA V. Il est intéressant de constater que deux journées de recrutement seront organisées à Mumbai les 21 et 22 avril prochains. Et lors de ces deux jours, il y aura plus de 30 offres d'emploi à pourvoir. Lorsque nous regardons de plus près ces offres d'emploi, on peut voir que Rockstar India est en train de se constituer une toute nouvelle équipe de développement. Il y a donc deux possibilités pour justifier ces journées de recrutement de Rockstar India. Dans un premier temps, Rockstar souhaite peut-être renforcer son studio pour qu'il puisse aider au mieux les autres studios Rockstar, notamment Rockstar San Diego qui est en plein rush concernant Red Dead Redemption 2, ou également Rockstar North qui, on se doute, est déjà en train de travailler sur un certain GTA 6. La deuxième option serait que Rockstar India soit chargé d'un tout nouveau projet, son tout premier au sein de Rockstar, et que l'équipe soit donc créée une équipe de développement de A à Z pour pouvoir mener à bien ce projet. Malheureusement, il faudra encore patienter sans doute de longs mois avant d'en avoir le cœur net. On va d'abord surveiller ces deux journées en avril pour voir un peu qu'est-ce qui conduit suite à ces deux journées de recrutement. En attendant, découvrez d'autres détails dans la description de la vidéo pour vous lire notre article. Et nous, on se donne rendez-vous très vite sur rockstarmag.fr pour d'autres vidéos et d'autres actualités chaudes. Salut à tous!